un peu de repos parce que qu'est-ce qu'ils donnent ces deux joueurs-là? Qu'est-ce qu'ils donnent? Il paraît que quand la saison est finie, ces deux joueurs-là dorment pendant 10 jours sans se réveiller du tout. Ils hibernent. Andersen. Oui, joli, le renversement. Il aurait été fort, Jérémy Leloup, sur cette série, pareil. On voit, hein, en plus, on le voit rageur, on voit qu'il veut les ballons, il veut prendre encore ses responsabilités. Banks. Ballon récupéré par Jérémy Leloup. Jérémy Leloup qui ne marque pas. Et Randall Volker est toujours là. Et ce qui est bien pour Nancy, c'est que ils sont quand même partis pour gagner ce soir. Ça leur évite un cinquième match. Ça leur fait plus de récupération avant le match 1 de la finale qui est samedi. Et on imagine que ça doit plaire à Fleu Détrus, à Randall Volker. Ah oui, avec tout ce qu'ils ont donné. Regardez, il était encore là, Flo. Si elle ne touche pas une nouvelle fois le cercle, elle est pour lui cette balle. Lolo, il sait qu'il doit shooter et qu'il doit les mettre pour garder un tout petit espoir. Et l'équipe de Strasbourg revient sous la barre des 10 points d'écart, portée par un exceptionnel Jérémy Leloup qui est à 17 points. Il les maintient en apnée. Banks. Ah, il va être relayé certainement par Klebinana. Ça fait 2-3 mauvais choix pour Banks. Alors que l'équipe de Nancy avait la finale dans la pogne il y a 1 minute 30, et bien attention, il reste 4 minutes et finalement c'est pas fait. Après un coup de folie sur le tir extérieur. Allez, chercher à jouer de nouveau sur Jérémy Leloup qui a la main chaude. Campbell, Andersen. Campbell qui pénètre, mais il a peur de Randall Volker. Le shoot à 3 points, airball de Jérémy Leloup. Il cherchait la faute, il va la mettre derrière. Voilà. Nichols qui ne marque pas. Santon au rebond. Attention, Lacombe. Ça peut aller vite de l'autre côté maintenant. Est-ce qu'on va là aussi avoir une fin de match à suspense alors qu'on n'y croyait plus? Malin Randall Volker, il sait qu'il a encore pas mal de fautes à donner. Boum. Allez, petite faute sur le dribble, on évite un panier facile. Prend son troisième. Troisième temps mort, Vincent. Assez tôt, hein, alors que son équipe avait une bonne dynamique. Certainement tenter un son va-tout, là, d'avoir quelque chose. We have the chance, everybody can shoot in this team now. OK, so spacing. Toi, tu vas faire des coupes. He's going to cut. I want Bootsy behind. Both corners doesn't matter, okay? So start from here. Là. David, you start opposite elbow. Side pick and roll all the way to the middle. Et en même temps, Jérémy, t'es là. Tu fais écran sur Pietrus, large. Go very far. Five. Try to find Bootsy one time, okay? Or all the way, make a stop. At the end, it can be Jérémy, okay? On a le temps, we have time. Time. On est sur un 6-0 en faveur de l'équipe de Strasbourg. On va voir cette fin de match là où Vincent aura plus de temps mort, mais il a décidé de jouer petit. Comme il leur a dit, il a mis les shooters avec beaucoup d'agressivité, de fixation, ressortir les ballons. Alors qu'à l'inverse, lui a encore deux temps morts. Et le 6-0 répond au 8-0 initial en début de quart-temps. Campbell. Ah, il a demandé de trouver Bootsy Thornton dans le corner. Voilà, c'est chose faite. Il retrouve de l'adresse au meilleur moment, les Strasbourgeois. Bootsy Thornton. Ah, c'est bon ça. Quand c'est plus le même match. Temps mort, boum, 3 points. Alors il n'est pas dans le corner, mais il était à 45 degrés. C'est plus le même match, la série est toujours en cours. Allez, Nancy, boum, dès qu'ils ont un petit souci, balle à tailleur sur Flo Pietrus. Ah, il faut jouer, Flo. Et faute de Bootsy Thornton. Et il va se retrouver sur la ligne. Et Bootsy Thornton ne sait pas comment le tenir, Flo Pietrus.
toute façon, à moins de l'enchaîner hein, au panneau, Flo, il aura toujours de l'activité. Hein. Il aura de l'activité, il aura son petit hook, surtout quand il est sur ce côté. Là, quand il prend la position à gauche, il peut se retourner dans l'axe avec son petit hook main droite. Et Flo Pietrus qui rate son premier lancé. Ah. Il y avait 14 points d'écart, il y a quoi? Il y a 3 minutes. Hein. Y aurait-il de la crispation chez les Nancyens, si près de leur finale? 1 sur 2 pour Flo Pietrus. Ça n'est plus la même limonade. 3 minutes de jeu, 6 points d'écart, autant dire rien du tout. Campbell, qu'est-ce qu'il va vite? Campbell la passe aussi, encore oh là, une fois. Il y a du monde. Oh, ils peuvent siffler là. Ah, oui, là il prend des ah, termes, David Andersen. Pas sérieux. L'arbitre qui laisse jouer. David Nana, Vincent Collet est furieux. Et on peut le comprendre. Flo Pietrus qui perd la balle, la récupère face à Jérémy Leloup. Il marche sur cette action. 4 secondes. Flo Pietrus, c'est raté. Et faute. Avertissement. Alors, bon. On voit ça. Là, il n'y a pas de faute. Ah, au ralenti, mais plus, c'est sûr. Hein. Ouais, mais il le sent bien dessus quand même parce qu'il le fait sauter. C'est vrai. Oui, parce qu'il fait la feinte et c'est le joueur qui vient sur lui, effectivement. Sur lui, donc, on maintient qu'il y avait quand même une faute. Mais bon, on va pas rester sur un seul coup de sifflet. Hein, alors que depuis le début du match, c'est nickel. Dans un match difficile à arbitrer, hein, évidemment. La combe et faute. Ah, ils appliquent à merveille ce que Vincent a demandé, à savoir jouer très large, fixation et puis du curl. Voilà, avec Paul Lacombe qui excelle dans cet exercice de couper vers le cercle. Maintenant, il faut mettre les lancers. Alors, au lancer, ça donne quoi pour les deux équipes? Les deux équipes sont à 67%, ce qui n'est pas terrible. Paul Lacombe sort. Mehdi, attends, je crois qu'il a le changement. Pas facile pour Axel Toupane. Ah oui, waouh, il a pris un bon taquet sur le nez, hein, Paul Lacombe. Rentrer, essayer de mettre les lancers francs. Je crois qu'il s'en est pas rendu compte. Non, c'est pas Lacombe qui est en double pas. Moment important là pour Axel Toupane. Ah ouais, non, mais c'est pas lui, c'est pas son nom. C'est Paul Lacombe, effectivement. Ah, c'est Paul Lacombe qui va attaquer le cercle. Donc c'est Axel Toupane qui doit shooter les lancers. On revoit ça. C'est bien, c'est fort, il a des nerfs. Et le deuxième pour Axel Toupane. Il n'a pas réussi à la dégager, Flo. Il fait un boxeur comme ça. Oui. Un beau pain. Eh ben dites-moi, 4 points d'écart à 2 minutes de la fin. Franchement, qui l'eût cru, Laurent? Qui l'eût cru? Et pas nous, il y a encore 2-3 minutes. Hein. Ah non. On commençait déjà à parler de la finale, tout ça. Eh ben non. Eh ben non. Clément Lamna. Oh, Randa Fokker qui perd la balle. Récupéré par les Strasbourgeois. Mais qu'est-ce qui se passe en cette fin de match pour Nancy? Qu'est-ce qui se passe? Et un petit panier de 3 points à Jérémy Leloup, puis un second, et ça a mis le doute dans la tête des Nancéens. Et Andersen qui marque! Incroyable! Et la série continue avec un seul point marqué par Nancy. Strasbourg en est à 13-1 en 3 minutes 30, alors qu'on les pensait au fond de la marmite. Et on croyait que c'était fini. On était déjà en train d'imaginer la première finale d'Alain Weiss. On a fait un two turnovers in a row. Provocate foul. We have the bonus. Provocate foul. I'm out. Yes, you are.
Let's go. Okay. Let's go. Allez. Let's go. Oui. Yeah. Guys, we have the ball. Ball in Austin. You hide yourself. You hide yourself. I want you to play. We just pass the ball inside and you don't play. You must move. Pass. Move. Okay, guys. Okay. We win this game. Let's go. We have the ball. We have the ball. Allez, les gars. Let's go. Pas simple là, pour l'Invest, ce temps mort. Redonner confiance à son équipe, leur redonner les choix stratégiques et tactiques à adopter, à savoir être agressif, ils sont dans le bonus, aller provoquer cette équipe de la SIG pour aller chercher les paniers faciles au lancer franc. C'est dingue. Alors que pour une fois, on se dit « Ah tiens, pour une fois, un match sans suspense. » Et ben non, on aura encore un suspense complètement fou avec un enjeu énormissime, une place en finale pour Nancy ou un cinquième match dans deux jours à Strasbourg. Et long segment d'Axel Toupane. Voilà. Axel Toupane, il excelle hein, défensivement. Il lui reste encore deux fautes à donner pour lui. Même si son équipe en a plus. Ah, il va se sacrifier. Marcus Banks, il faudrait le revoir Marcus Banks pour Nancy, hein, parce que là on n'a pas vu grand chose. Il drive. Il ressort, le shoot d'Austin Nichols, Gamel, rebond pour Jérémy Leloup. Et l'équipe de Nancy ne met plus un shoot. Ballon pour passer devant hein, pour Strasbourg. Oh c'est fou, Campbell. Et la faute de Banks, c'est pas malin. Hyper sénère Banks, on l'a vu déjà, complètement déjoué dès le début du match. C'était bien repris en fin de troisième avec cette petite fixation sur Volker. Et de nouveau, il déjoue. Attention, ça peut coûter cher à Nancy s'il ne se reprend pas sur la dernière minute. On a l'impression, enfin c'est même plus l'impression, c'est confirmation, qu'au-delà de Randall Volker et Flo Petrus, qui sont juste énormissimes, on va dire quoi, 9 fois sur 10, que Banks, c'est le baromètre de l'équipe. C'est-à-dire que quand il est fort, ils sont injouables, parce qu'en plus, il y a les intérieurs qui font peur à tout le monde, mais quand on ne le voit pas, bah, il manque quelque chose. Là, il n'est pas parti pour montrer ses muscles. Hein. Loin de là, il est énorme, hein, Jérémy Leloup. C'est bien de voir un Français à ce niveau-là, sur une demi-finale de play-off, comme Flo Pietrus. Ah, il a maintenu son équipe en vie, il leur a donné le dernier petit espoir avec ses deux tirs à 3 points consécutifs et maintenant il met ses lancers francs. Un Jérémy Leloup de gala. Ah, bravo à lui. Et il égalise à 57 partout et il reste 1 minute 10 à jouer. Banks. Ah, c'est maintenant qu'il faut faire parler le pédigré, Marcus Banks. Volker, c'est raté. Qui prend le rebond? La balle sera toujours pour Nancy. David Andersen a touché cette balle du bout des doigts. Et cette balle est bien pour le SLUC Nancy. On est dans la dernière minute. C'est un truc de fou, David, de voir Strasbourg être encore en vie à 58 secondes de la fin. Après leur gros passage à vide de la fin de troisième, début quatrième. L'attitude défensive, elle est belle des Strasbourgeois. Allez, faut poser l'écran. Volker a roulé au cerf. Oh là 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 là, c'est quoi ce qu'il a fait? Il est en vrille complet. Est-ce qu'Alain Weiss va garder le pari de le laisser jusqu'au bout? Ou est-ce qu'il va le changer par Clevin Hanna? Parce que là, c'est quand même fumble sur fumble hein, pour les amateurs de sport américain. Alain, il a compris que Marcus Banks ce soir, c'était pas sa soirée. Ceci dit, hein, on ne saura jamais, peut-être qu'il est capable de vous faire gagner. 11. Et Clevin Hanna, ligne de fond, 45 secondes, mais surtout 11 secondes pour marquer pour le Stade Nancy. Avec Harris face à Campbell, 8 secondes, il prend du champ. Oh là là, il veut marquer le panier du match. Paul Harris, 3 secondes. Piqué. Et il perd la balle. Il perd la balle, mais en plus, Jérémy il va donner la possibilité voilà, sur la contre-attaque. Tantan qui marque avec la faute. C'est dingue. C'est complètement dingue. Retournement de situation, David. Hallucinant ce qu'on est en train de voir. Ils ont complètement perdu les pédales, les Nancéens. Que c'est ce shoot de Paul Harris qui se fait bâcher. Oh là 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 là, quel retournement de situation! Ils sont en train d'attaquer le train postal, les Strasbourgeois! Ils sont en train de faire le hold-up de l'année! If they score, we can go straight to the basket, quickly! Okay, quickly to the basket!
If we need a three-pointer, we make three flash. If we need a three-pointer. But after the free throw, we can go straight to the basket. Okay, guys? Allez, believe in you, believe in you, believe in you. Allez, très simple, Ray. Après les lancers francs, allez direct au cercle, direct au panier. Pas prendre d'autres chemins que ça. Une droite pour aller au cercle. Et puis derrière, Alain Veil, ça a commandé un 3 flash. Jean-Luc Monchot qui a vécu tant de finales avec le Sluc Nancy qui fait la tête, qui doit être déçu, on l'imagine. Il est éteint, lui aussi. Et il a pris sur la tronche. Vous vous rendez compte, la série, l'équipe de Nancy tenait son match, menait 56 à 42 à 5 minutes de la fin. Nancy n'a pas marqué le moindre panier sur les 5 dernières minutes. Un petit lancé, un seul petit lancé. Là, c'est un lancer franc aussi qui vaut cher. Ça va obliger éventuellement Nancy derrière à trouver forcément un 3 points, même si Alain Weiss a demandé d'aller très vite au cercle. Ça voudra dire deux possessions d'écart si Booty Thornton met son lancer. Et il le met, Booty Thornton, son lancer. Est-ce qu'il va 15 points pour Thornton. Enchaîner. Où est-ce qu'il va prendre le pari d'aller Nichols. Nichols à 3 points, raté. Qui prend le rebond, Ronald Faulkner. Harris, secondes, il a le temps. Le shoot à 3 points, raté encore. Allez, rebond pour Campbell. Et la faute de Paul Harris sur Louis Campbell. S'il met un seul lancer franc, c'est gagné pour l'équipe de Strasbourg. Incroyable, improbable, improbable cette victoire de Strasbourg. S'il y a victoire et que Louis Campbell met ses lancers. Quand on voit l'abattage de Pietrus et de Faulkner, quand on voit comment Nancy avait son match en main, il a fallu le détonateur à Jérémy Leloup pour faire basculer la dynamique et mettre le doute dans la tête de Nancy. Il met le premier, Louis Campbell. Wait the ball to leave the hand. Ne partez pas trop tôt, Flo. Merci. Campbell. Eh ben, dites-moi, la série Limoges-Dijon, c'est une série de dingue, mais celle-là aussi, parce qu'à chaque fois qu'on pense qu'il y a une équipe qui va craquer, eh ben, elle réussit à s'imposer. Elle va faire mal mentalement à Nancy, celle-là, David. Elle va faire très mal parce que il l'avait leur finale. Il l'avait carrément. Et c'est fini. Le dunk après le buzzer. Score final 62 à 57. Un retournement de situation comme on en a rarement vu dans le basket avec l'équipe de Strasbourg qui s'impose de 5 points en terminant par un 20 à 1, c'est ça ? 20 à 1 pour terminer pour l'équipe de Strasbourg en 5 minutes 10. Incroyable. Guys, hey, one more, man. Come on, let's go. Three. One, two, three.